Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Sega Legacy. Alors aujourd'hui, nous sommes. Je suis tout seul, hein. C'est pas nous, c'est je suis tout seul pour vous présenter un jeu qui a été édité par Sega, qui s'appelle Hellier. Alors Hellier, c'est un jeu de plateforme, comme on peut le voir, où on dirige un lapin. Donc un lapin un peu spécial, puisque c'est un lapin qui est quand même assez trash. Ouais, d'accord, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Un lapin donc qui casse un peu tout, qui veut tuer un peu tout le monde. Au niveau de l'histoire, j'ai pas cherché à comprendre, hein, j'ai passé les scènes cinématiques du début. Donc là, on est dans le tuto en fait, hein, le tuto, donc on va passer ça tranquillement. Donc ça a été développé par Arcedo Studio en 2012. Arcedo Studio, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils ont fait un jeu de casse-briques sur DS qui s'appelle Nervous Breakdown, qui était plutôt pas mal. Et donc ensuite, ils ont été approchés par Sega pour pouvoir faire Hellier, donc ce jeu de plateforme, qui est assez sympathique dans son fonctionnement. Et notamment, on a pas mal de petits moments bien délirants, souvent de l'humour noir. Donc là, il faut qu'on aille chercher l'arme. Ouais, il faut qu'on dégote une sorte de foreuse. D'accord, ok, ouais, je fais n'importe quoi. Ça se joue à la manette 360, hein. Alors je disais Arcedo Studio en fait, hein, c'est un studio malheureusement qui n'existe plus maintenant. Le développeur principal s'appelait donc Aurélien Regard, qui est maintenant en freelance en fait, hein. Il a fait dernièrement un jeu sorti sur Steam qui s'appelle The Next Penelope. Et donc là voilà, il avait carte blanche à l'époque donc donnée par Sega pour pouvoir faire ce jeu. Voilà, on a récupéré la foreuse. Voilà, on va récupérer un peu tout. Les portes s'ouvrent en tuant des gros monstres. Ouais, donc on a un certain nombre de monstres à tuer avant de pouvoir passer de niveau. On est sur de la plateforme traditionnelle, hein. Mais bien sympathique. Voilà, lui, on va le buter. Et après, on a à chaque fois appuyé sans arrêt sur A. Voilà. Voilà, on a à chaque fois des petits QTE donc qui changent. C'est pas toujours la même chose, donc c'est plutôt sympa. Vous voyez là, donc là la porte, on a buté le monstre, la porte s'ouvre. Nouveau monstre ajouté au Monstrodex, voilà, si ça c'est pas inspiré des Pokémon. Alors c'est un jeu qu'on a eu, moi que j'ai eu gratuitement avec il y a Sega qui faisait une offre là sur. C'était avec la Saint-Valentin, le Make War Not Love, pardon, et de récompenser en fait les joueurs de Total War et les joueurs de Dawn of War, il me semble. Et donc il y a eu trois packs gratuits, donc notamment ici on a eu Hellier, donc qui était donné, je crois que c'était dans le premier pack, il me semble. Et vous sur le PlayStation Network. Hein. Et donc là, bon, on y joue sur la version PC avec la manette Xbox, donc c'est un peu. Les portes indiquent le nombre de monstres que tu dois libérer, ok, ça marche. Donc là, sur le jeu, on a le mode histoire, 10 niveaux à faire. On a eu. Okay. Bon, ça sauvegarde automatiquement à la barre de vie. Alors j'ai un monstre en bas à gauche, on va aller en bas à gauche. Bon, ça m'énerve quand ça sauvegarde comme ça parce que ça. Très sympa, on ressent bien le. On peut acheter des missiles, donc on va acheter les missiles. Hop. C'est quoi ça? Le look. Alors, la casquette de Terry Bogard, c'est pas mal. Quarterback, cascadeur. Tête dans le cul, c'est excellent. Je vais acheter la casquette de Terry Bogard, j'aime bien. Voilà, ouais, effectivement.
fait sur A sans arrêt. Le bon QTE. Kiss my ash. C'est excellent. Le style cartoon est vraiment super sympa, franchement. Voilà, là on ouvre la porte. Ok. Bon, là je vous dis, c'est vraiment le tout premier niveau, c'est super facile. Fini les conseils, direction le boss. Noche. On récupère de la thune pour. J'utilise la force, mais de loin. Ouais, mais ça, ouais, il faut. Quelle est la durée de vie moyenne d'un lapin mort? 2 ans, 7 ans. What the fuck? La réponse day. Ah, et là, on devrait avoir la porte. Ah, est-ce que je peux pouvoir alerte? On fonce au boss. Il qui abattre normalement. Allez, c'est. Par contre, les. Ouais, maintenant on est en bas. Voilà, comme ça on va le buter ici. Nickel. Voilà, premier boss terminé. Bon, c'était un simple échauffement, on va dire. Après, je pense que ça va se corser. Je dirais pas qu'on est un peu comme dans un Metroidvania, puisque bon, il y aura des allers-retours à faire dans les niveaux, mais. Je le vois plus comme un jeu de plateforme. On va récupérer un peu du bonus, on va tuer un peu 2-3 monstres qui restent. Avant d'aller au dernier niveau. Au niveau suivant, pardon, qu'est-ce que je dis au dernier niveau. Alors, pas mal de choses à récupérer. Là-bas en bas c'est quoi? Je vais pas y aller par là. Non. Alors là, à gauche, je sais pas où je peux y aller. C'est pas grave. On va descendre vers l'exit. Voilà. On va aller vers le deuxième niveau. Voilà. Ok, là je peux pas passer. Bah, y a des endroits où je pourrais pas passer parce que voilà, il faudra débloquer des armes et il faudra, je pense, y revenir un peu par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Lester encore toi. Voilà. C'est bien dégueulasse hein, quand même. Utiliser LB pour passer d'une arme à l'autre. D'accord. Ah oui, yes, là j'ai la. Ouais, ça c'est. Oh non! D'accord, ok. J'ai pas fait gaffe. Bon, ça allait. On revient dans un cercueil. Ça me fait penser à Sunset Overdrive, ça sur Xbox One. On revient un peu. Voilà. Bon, on est vraiment sur du plateforme. Hein. On est sur un platformer. Bien sympa. Et la musique, elle dit bien quand même. Voilà. Tant bien le. Waouh! Ah ouais, c'est chiant quand ça sauvegarde automatiquement, c'est d'un casse-couille. Bon, c'est pas grave ça, on va pas aller au-dessus. On va aller là. Ah, il y a un boss. On va essayer de le buter. Je vais essayer de passer par là. Je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Non. J'ai plus beaucoup de vie là. On va se calmer. Kurdi, il avait fait un. Je remettrai dans le billet de l'article, mais il avait fait un test de LIE parce que. Ah, excellent, maintenez B pour pécho. A pour pécho, pardon. Ouais, j'ai pas été assez rapide ou assez bon. Kurdi avait bien aimé le jeu. Il avait fait un test. Bon, il n'est pas exempt tout reproche non plus. Hein.
j'ai pas compris ce que j'ai mal fait. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'avais réussi la première fois que j'avais joué. C'est pas grave, on va passer par là. Il me semble pas qu'il y ait des vies limitées. Hein. Il y a une bonne gueule de Terry Bogard hein, quand même, mon perso là. Le petit H. Ouais, il y a plein de petites façons de finir les ennemis, pardon. Ah, ce qui est marrant, c'est que je trouve que par moment, ça ressemble un peu à du... je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Marc de Pontavis, là, celui qui avait fait Oggy et les cafards, ces choses-là, là, les dessins animés que les gosses, dont les gosses raffolent. Ça ressemble un peu au niveau du dessin. Attention, j'ai plus beaucoup de vie. On va y aller mollo. Hein. Hop. Je sais pas si dessinateur s'en est inspiré. Voilà, je récupère de la vie, comme ça on sauvegarde en même temps. Voilà, avec le petit lag, comme il faut. C'est moi, je l'ai tout seul pour son anniversaire. Il a trouvé un beau cadeau. Mais t'inquiète, on va lui trouver un bon cadeau. Il va se prendre ça sur la figure. Pim. Ah mince, j'ai fait trop vite encore. Non, c'est le lapin. Il fallait que je prenne. Voilà. Le UFO catcher. Non, mais c'est vraiment du what the fuck ce jeu, quoi. Donc là, on ouvre la zone où il en fallait 9. Voilà. De vie, voilà, et puis après celui-là je pense que je vais vous laisser, on va après il faut que je vous laisse, il faut que vous découvriez aussi un peu par vous-même. Je pense que pas mal de personnes qui ont récupéré ces packs de jeux là donnés bien gratuitement par Sega, je trouve ça c'est une super façon de, voilà, de pas dire de remercier les joueurs, mais ouais c'est plutôt pas mal comme concept. Filer 9 jeux sur Steam, c'est quand même pas grand monde qui le fait aujourd'hui. Bon là il va falloir faire attention puisqu'on a... Voilà. J'ai bien fait de pas me mettre trop près. Ah ok ouais, là il y a le nounours disco. On va essayer de buter ça avant. Waouh. Ok. Non mais. Voilà. Waouh. Non, je me trompe de bouton à chaque fois. Ah, excellent. Le finish, il est excellent. Alors même si les QTE, on a déjà vu ça depuis X temps, hein, depuis Shenmue et compagnie, c'est vrai que je trouve c'est la façon dont ils les ont mis en avant, je trouve que c'est vraiment sympa. Venez débloquer un truc super cool, allez vite voir. Alors, tu as dû être en 10e monde, tu peux désormais visiter... V-Island, un monde d'opportunités surtout pour toi.
Fais travailler les monstres morts. Excellent. Gère ta propre usine à trésor. Excellent. Ça, c'est dans le menu. Allez, on va faire une pause. Voilà, comme ça, je vous montre ça. Et puis après, comme ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Ça, en fait, c'est tous les monstres qu'on rencontre. On peut les faire travailler. C'est génial. Ça doit nous donner du bonus, ça, c'est ça. Monsieur Tentacle. Donner du travail. Voilà, vous pouvez facilement vous charger du reste par ici. Ok. Ah, en fait, d'accord, ok. Ça nous permet de récupérer de la vie. On a 10 monstres dispo, donc je vais faire 5 et 5. Ah, bien. Entre récupérer du fric et récupérer de la vie. Ah, c'est cool. Tous les monstres, vous pouvez quitter l'île à tout moment et revenir quand vous voulez pour ramasser des cadeaux. D'accord, génial. Les icônes nouveaux, bon, on va y aller. Allez, on va retourner sur le menu. Voilà, juste vous montrer vite fait. Alors, voilà, celle-là, c'est la partie. On va aller retour au menu principal. Elle y est. Alors, elle y est, j'ai appris ça en préparant la vidéo. C'est un groupe de métal, en fait, qui est né aux alentours des 2005-2006, quoi. Là, les missions du lapin virtuel, on est sur des missions... En fait, c'est pour allonger la durée de vie, en fait. Hein. Il va vous dire, en X temps, il faut récupérer... activer les belles modifications. Bonne mission. Alors, c'est quoi, ça? Tuer les ennemis en un temps limité. Alors, où est-ce que je dois aller? Ah, attends, je sais plus. Allez, on va tuer ces trois-là. Ouais, je fais n'importe quoi. J'évite rien du tout. Il me reste plus beaucoup de temps, 10 secondes. Merde, si je fais ça, ça va pas aller. Voilà, on devrait y arriver. Si je meurs pas. D'accord. Ouais, donc voilà, c'est tout des petites missions. Il y en a quelques-unes. Un cadeau après deux missions. Voilà, il y a quelques missions. Ça permet de récupérer un peu d'argent et puis de prolonger un peu la durée de vie. Non, on va faire menu principal. On a les classements, on peut se tirer la bourre avec les copains, c'est pas mal. Différents niveaux de mission. Et puis voilà, grosso modo, ce qu'on peut dire de L.I.E. Donc, pour moi, c'est un très bon jeu, voilà, un bon petit passe-temps. Vous y reviendrez pas non plus quand vous l'aurez fini, je pense pas. Mais voilà, un bon petit jeu, en plus qu'on a eu gratos, donc sinon il est pas bien cher sur Steam, vous pouvez le récupérer de façon pas bien chère. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain podcast, pour de prochains articles sur sega-legacy.fr. A bientôt, ciao ciao.